Et ça commençait par de la toux sèche, franchement. Pendant presque une semaine, de la toux sèche, tous les jours presque. Après, c'est la fièvre. Je commence à avoir de la fièvre et là, les degrés montent. Hein. Franchement, je peux vous dire que c'est plus de 40. C'est sûr. Hein. Je ne suis pas prêt, mais ma femme me touche et me dit là, c'est fou. Ça l'a choqué. J'ai vu l'épidémie, le raz-de-marée mortel qui fait partout dans le monde. Ça donne. Je suis un miraculé, on va dire. Franchement. Hein. Parce que la maladie n'était pas connue. C'est ça qui était le pire. C'est que la maladie n'était pas connue à cette époque-là. La maladie n'était pas connue. Les médecins ne savaient pas quoi faire. Parce que pour eux, c'est une infection sévère, très sévère, c'est ce qu'il m'a expliqué, mais ils n'arrivent pas à détecter la. Probablement, l'épidémie a commencé un mois avant de ce qu'on pense aujourd'hui. Et donc, ça permet de connaître mieux l'épidémie. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que d'autres médecins, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis, fassent des recherches comme on a fait nous, pour mieux connaître l'histoire de ce virus.